que la corruption. Vous, capitalistes, Poupon, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Messieurs, je n'ai plus rien à dire. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables, mais utiles. Non, ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter. Car il semble que par une étrange aberration, la chambre tout entière soit prête comme toujours à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Il a du courage, ce petit Avenel. Ces petits nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, Guédon, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel, qui vient de parler assez brillamment, devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez fait fort bonne vérité. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique, déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Sur la franc-maçonnerie. Vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Pourquoi éprouves-tu tant de répugnance à me voir entrer à la franc-maçonnerie? Cette association me semble suspecte. Il ne doit y avoir que des arrivistes là-dedans. Mais non, ils sont peut-être aussi des braves gens, animés d'un idéal sincère. Le texte qu'ils m'ont donné est rempli de bonnes idées. Tu me diras que ça n'est qu'un programme affiché à l'entrée. Mais il me paraît loyal. Tu es un honnête homme, mon chéri. Mais tu as un grand défaut. Ah, et lequel? Tu ne vois jamais le mal. Tu imagines que les autres sont bons comme toi-même. C'est pourquoi tu as toujours des déceptions. N'importe, je suis décidé à tenter cette expérience. Alors fais-la. Je souhaite me tromper. Quand vas-tu te présenter chez ces gens?
Mercredi. Déjà. Les travaux reprennent force et vigueur. La tenue du comité a voté l'interrogatoire du prof Labbé. Nous allons lire les rapports confidentiels de nos enquêteurs. Pierre Avenel, né en 1902 à Laval, a fait sa première communion. Oh mon frère, vous en prie. Mais déclare ne pas pratiquer régulièrement. Ah. A même cessé de fréquenter l'église. Oh, très bien. Mais s'avoue spiritualiste. Monsieur, voulez-vous me citer? Permettez-moi de vous barrer les yeux. Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses. Quand il aura travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. Voilà, le silence le plus absolu, mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître. Faites entrer le profane. Déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire? J'y consens. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Et pourquoi? Il semblait être déçu par son premier contact avec la maçonnerie. Mais l'interrogatoire est assez pénible. J'ai dû paraître ridicule. Vous vous trompez. D'autres qui sont passés avant vous ont moins bien répondu. Vous avez été reçu avec une majorité convenable, 16 voix contre 10. Comment, j'ai eu 10 voix contre moi? Non. 2 seulement. 2. Mais les voix d'opposition comptent pour 5. Ah. Un opposant de plus et vous étiez plaqué. La maçonnerie est difficile sur le choix de ses candidats. Pas assez, mon cher, pas assez. Je dois même vous avertir que lorsque vous serez en loge, vous serez déçu. Le milieu maçonnique est épouvantablement médiocre. Vous verrez que vous lui apporterez plus que vous ne recevrez. Mais ces rites dont vous m'avez parlé, ces initiations mystérieuses... De bêtises. Il y en a qui y attachent un certain sens symbolique. La plupart des maçons ritent eux-mêmes de ces vieilles pratiques désuètes. Seulement, le jour de votre initiation, tenez-vous bien, les épreuves de la cérémonie ne sont pas commodes.
Bon. Attendez à la Buvelia. On viendra vous chercher. Mais c'est entendu, mon cher, je m'occupe de ton affaire. Tu peux compter sur moi. C'est très mais c'est entendu, excuse-moi, la nuit va commencer, je suis un peu en retard. Bien, bien. Mes frères me reconnaissent comme tel, vénérable maître. Frère second surveillant, quel âge avez-vous? 3 ans, vénérable maître. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir d'un surveillant en loge? Vénérable maître, c'est de s'assurer que le temple est couvert. Veuillez vous en venir assuré par le père couvreur. Le temple est couvert, vénérable maître. Frère second surveillant, quel est le second devoir des surveillants en loge? Vénérable maître, c'est de s'assurer que tous les frères présents sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Debout, et alors, mes frères. Frère premier, second surveillant, assurez-vous que tous les frères rangés devant vos colonnes sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Vénérable maître, les frères qui décorent l'une et l'autre colonne sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Il en est de même à l'Orient. Frère premier surveillant, à quelle heure les francs-maçons opèrent-ils leurs travaux? À midi, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Il est midi, vénérable maître. Puisqu'il est l'heure du travail, frère premier second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants de l'univers Orient de Paris au grade d'apprenti en la forme accoutumée. À moi, mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. On déplace mes frères, les travaux sont ouverts. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Avenel. L'atelier a voté dans une précédente tenue la mission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion. Monsieur, veuillez me suivre. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Vénérable maître, c'est un profane qui demande à être reçu maçon s'il en est jugé digne. Frère, armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Laissez-vous, monsieur. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. C'est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Mais
comme il serait imprudent de s'imposer des obligations dont on ne connaîtrait pas l'étendue, il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quels seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment, prêté sur la coupe des libations. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez ! Buvez ! Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. Voilà, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe. Monsieur, le voyage symbolique que vous venez de faire est l'emblème de la vie humaine. Le bruit que vous avez entendu figure les passions qui l'agitent, les obstacles que vous avez rencontrés peignent les difficultés que l'homme éprouve et qu'il ne peut vaincre ou surmonter que grâce à l'aide qu'il trouve dans ses semblables. Frère expert, faites faire le deuxième voyage. Voilà, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe, et qu'il soit purifié par l'eau. Monsieur, nous avons procédé à l'épreuve de l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. Votre cœur doit être limpide comme l'eau pure. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe par les flammes. Monsieur, les flammes dont vous avez été environné ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frères experts, amenez le profane à l'hôtel. Mes frères, debout, à l'ordre et glaive aux mains. Moi, Pierre Abnel. Moi, Pierre Abnel, de ma propre et libre volonté,
De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Quelle idée saugrenue ton mari a-t-il de se faire recevoir franc-maçon ? Je lui ai déconseillé tant que j'ai pu, mais tu sais comme il est entêté. Il va se trouver dans un milieu d'arrivistes si médiocre. On l'a pourtant bien prévenu. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Il y a tant d'histoires qui courent sur le compte de ces sociétés secrètes. Ne t'inquiète pas, Pierre. Il saura se tirer d'un mauvais pas. Sois prudent. Pas assez. Monsieur, le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude ? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière ? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Père couvreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maguet. Et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères ? Nous le jurons. Mes frères, à la santé de notre nouveau frère. À notre santé. Votre très cher frère, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée ? Eh bien, c'est curieux. Cette cérémonie est très impressionnante. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte ? Au cas où vous auriez besoin de mes services. Je vends de tout. De la bonne tripe, des chaussures, du savon à des prix invraisemblables. Tu permets, mon cher Lévi-Stein ? Je t'en prie. Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre en contribution. Oui. Un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers. Je vous remercie. Ah, dans quelque temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé. Je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça. On leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas ? Vous m'aiderez ? À votre service. Merci beaucoup. Alors, on nous revoit. Ah non, pas comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pan, pan, pan. Essayez. Pan, pan, pan. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Alors. Alors, content ? Bon. Tu as l'air contrarié. Oh non. Déjà déçu ? Pas encore.
Tu me raconteras la séance. Ah, j'ai juré de ne rien dire. Même à moi? Écoute, c'était pas ridicule. C'était étrange. Mon chéri, c'est idiot, mais j'ai peur pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Mon très cher frère Avenel, vous êtes député. J'ai un service à vous demander. Lisez la France, tous les détails sur la bureaucratie. Mon très cher frère, si vous pouviez m'obtenir cette place, vous me feriez plaisir. Mon cher, donnez donc un coup de téléphone au préfet qu'il m'ôte cette contravention. Demandez la liberté, le scandale force inattendu. Mon très cher frère Avenel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. L'arrestation du banquier Charles Luby. Le faillite des banques coopératives. Un nouveau scandale financier. Il faut l'exclure, c'est une fripouille. Oui, évidemment, c'est une fripouille, mais puisque personne ne le sait, nous pouvons le garder parmi nous. Non! Mais je comprends très bien vos réactions, mon cher Avenel. Mais tenez, je vais vous citer un exemple. J'ai vécu pendant 20 ans en maçonnerie avec un frère que je considérais comme un escroc. Ben, je n'ai rien dit, parce que c'était un excellent maçon. Nous ne sommes pas du même avis. C'est un adversaire de la maçonnerie. Et son projet est excellent. Qu'importe qu'il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon être. Non. Non, et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Je vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je sois en colère, non, j'ai tout mon sang-froid, au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Ah, Avenel, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous ne comprenez donc rien. Que se passe-t-il? Regardez. Mais calmez-vous, mon vieux, ce n'est rien. Rien. Que croyez-vous qu'on doit faire? Rien. Surtout rien. Pas de pareil cas, écoute, attends. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'incident. Tous ces gens vont rentrer se coucher. Ils sont fatigués, là-bas, craignés. Qu'en pensez-vous, Avenel? Je voudrais être avec eux, place de la Concorde. Vous ne parlez pas sérieusement? J'ai pas envie de rire.
messieurs, nous avons établi définitivement la liste des membres de la commission d'enquête. Tout le monde est bien d'accord pour la soumettre au vote de la Chambre. Pas d'objection ? Le projet est accepté à l'unanimité. La séance est levée. Ça va marcher. Je ne prévois pas d'opposition. Si ça est ainsi, nous risquons de nous en tirer. Je le crois sincèrement. Nos frères députés nous attendent dans un salon voisin. Ils sont impatients de vous entendre. Ben allons-y. Avenel. À propos, cher ami, je vous ai mis d'office dans la commission d'enquête. Moi, pourquoi? C'est indispensable. J'ai besoin de vous. Venez avec nous. Vos amis nous attendent. Nous allons traverser ces événements graves sans trop de dommages. La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Rassurez-vous donc. Ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave. Elles sortiront renforcées de cette épreuve. Merci. Demandez l'antimafond, le scandale de la commission d'enquête. Demandez l'antimafond, le scandale de la commission d'enquête. Vous me demanderez successivement. Le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Gerlet. Bien, monsieur. Chef de cabinet du ministre. Allô? Mais oui, passez-le moi. Lui-même, à vos ordres, votre cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez? À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous. Silence. Compris. Allô, ici Général Maisonna. À vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher Général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mais vrai, il est indispensable de franchir cette mauvaise passe. Il ne faut pas trop de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur? Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. Pendant quelque temps. Pour donner le change. C'est entendu. Les partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple. Bloc populaire. Mieux. Front populaire. Bien. Quant à vous, mon cher Garnet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On lui demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne. Moyennant quoi, nous aurons tous les appuis politique nécessaire. Mais,
prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale? Faites ce que je vous dis. On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Oh, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Alors, je ne comprends pas. Tant de vertus affichées sur le programme à la porte, tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitards. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort?
Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon... Alors, cette démission? Je vais réfléchir. Alors, il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ses hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un, que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Qui donc? Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient et qu'il accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. Je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore le ramener de meilleurs sentiments. D'autres que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça. Allemand marche difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Voyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans cesse accrues deviennent intolérables. Et libérer ainsi nos frères réduisent à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près. En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors, vous n'avez pas la parole. Je le sais. Je suis député et membre de la commission de la défense nationale. Je ne peux pas laisser se prolonger un discours aussi manifestement erroné. L'appréciation de monsieur... De notre frère, Lichtenstein. Oui, si vous voulez. Sur l'état de l'armée que possède l'Allemagne sont des mensonges. Et ajoutez-vous à cela la stupidité. Mais pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France? Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe. Mais je tiens à dire qu'aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, je le direz immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes. Oh. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Frère Avenel, je vous prie de couvrir le temps. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie. Ce sont des fous. Malheureusement, il est impossible de leur faire entendre raison. Les événements sont pourtant indiscutables. Oui, oui. Dites-moi, j'ai des documents confidentiels sur l'action actuelle de la maçonnerie qui peut-être vous intéresseraient. Des documents? Oui, oui, des documents. Vous êtes député, il serait utile et urgent que je vous les communique. Mais je crois bien, où sont-ils? Chez moi, pas très loin d'ici. Si vous avez quelques minutes. Oui, volontiers, allons. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Pétard ou couteau? Le couteau, ça fait moins de bruit. Attention, voilà. Un instant, je vais voir si...
t'inquiète pas, mon chéri. Tu guériras vite. Le docteur a dit maintenant que j'étais sauvée. À condition d'être sage. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la mobilisation générale, mon chéri. Quoi, la mobilisation? Ne tâche pas, je t'en supplie. Je n'aurais pas dû te le dire, mon Dieu. T'en fais pas, mon chéri. Tu reviendras vite. Les brutes. Ils sont arrivés. Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Ne bouge pas. Tes plaies sont à peine fermées. Si j'étais pas tombé sous les coups de ces criminels, j'aurais peut-être pu arrêter ça. Mais non, tu n'aurais rien pu empêcher, mon chéri. Ces hommes sont plus forts que toi. Ils ne t'auraient pas manqué. Qu'est-ce que c'est ? Savais ce que je sais. Mes frères, nous pouvons affirmer en toute sérénité que la franc-maçonnerie universelle a présentement atteint son but. Cette guerre qui est la nôtre est déclarée. Elle doit aboutir au triomphe de notre ordre. Il importe que le monde soit définitivement gouverné selon nos méthodes et par nos idées. Debout et à l'ordre. Frère premier surveillant, à quelle heure ferme-t-on les travaux? À minuit, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Minuit, vénérable maître. Puisqu'il est minuit, et que nous avons accompli notre homme, je déclare les travaux clos à mon coup de baillet. Retirons-nous en paix, mes frères, sous la loi des silences.